un petit peu long à venir, le soleil. On peut vous montrer le chant du coq et le chant du loup qui sonnent différemment quand on est sous l'eau. Voilà, le voilà. Il a mis le temps, excusez-moi. On va attendre un petit peu, je vais vous faire écouter le chant du loup. Voilà, le soleil dans sa course. Ce qu'il faut, c'est les bottes de plomb et la tunique bleue. Pour pouvoir rester sous l'eau, vous appuyez sur le bouton Z ensuite pour mettre la visée derrière vous quand vous êtes sous l'eau. Regardez, on voit cet endroit-là où on n'a pas pied. Là, la tête dépasse, voilà ici, on est sous l'eau. On appuie sur le bouton Z et la vue passe sous l'eau. À ce moment-là, vous allez pouvoir entendre sous l'eau le chant du loup, qui n'est pas le même que celui qu'on entend hors de l'eau. Je trouvais ça assez fantastique pour un jeu de 1998. Alors pensez à faire des sons différents par rapport à l'endroit où on se trouvait. Voyez là-bas, le soleil va se coucher. Je ne vais pas bouger pour pas risquer de sortir de l'eau. Enfin, pas la vue. On y est en vue en dessous l'eau là. Et écoutez le loup. On dirait un loup agonisant, le pauvre. Alors, la lune se lève, va faire le tour. Là, je sors du lac. Vous voyez où il est, le lac, ici. On peut faire l'expérience pour écouter les sons qui sont changés, modifiés par le fait que l'on soit sous l'eau. Alors, il s'agit des sons, je répète, du coq le matin et du loup le soir. La lune. On va la faire accélérer, puis je vais vous faire écouter une dernière fois le son du loup. Donc là, on va entendre le chant du coq hors de l'eau. Magnifique graphisme, enfin, je veux dire, pour l'époque, j'étais comme un fou en voyant ça, c'était formidable. Là, vous avez entendu le coq qui chantait parfaitement. On va refaire le loup. Ah, vous voyez le loup qui a quand même un... Donc le chant est quand même... légèrement plus moins ridicule. C'était formidable en 1998, cette plaine qui s'ouvrait à nous à perte de vue. Bon, la télé n'est pas forcément de bonne qualité, cette cathodique, mais vous voyez là-bas, on voyait vraiment ce qui se passe. On peut aller là-bas. Déjà, c'est un peu le sentiment qu'on a dans Breath of the Wild aujourd'hui, en 2020. En 2017, il est sorti. Et donc là, le soleil suit sa course dans le ciel. Ah, la vue est inversée, ça ne me plaît pas. Là, voilà.
Et voilà, les jours se suivent. Mais vous pouvez faire l'expérience pour écouter le son du loup. J'avais trouvé ça formidable, ce petit détail qui fait que, voilà, ces petits détails font des grands jeux. Merci.